depuis nous avons mené partie ça sous fond baptismo. Nous te dissoud trois parties la veille. Nous te dissoud Konakom, nous te dissoud Haïti capable, nous te dissoud Pampra et le ça c'était avec un pile douleur. Mais une douleur qui pral passer bien vite parce que tout membre fusion vient content de ce que nous construit 11 outils. 11 outils qui chaque jour plus plus avaler terrain. 11 outils qui chaque jour plus plus créer cohésion dans mitanl pour nous capable faire limonade créer tout bon pour nous oublier si te gen Konakom, si te gen Pampra et si te gen Haïti capable. Jodi a 8 ans depuis nous exister. Nous sous deux congrès. Il y a un congrès qui remplaçait un deuxième congrès, un premier congrès qui pouvait créer nous, un deuxième congrès qui permet que nous renouveler directoire partie. Depuis le deuxième congrès, nous avons fait deux conseils nationaux. C'est un conseil qui était fait avant, mais nous-mêmes, dans le directoire Panouan, nous faisons deux conseils nationaux. Et dans le mois de mai, nous avons pour nous faire un troisième conseil national. Le parti a fini de constituer. Nous avons une base de données nous 200 000 membres. Après 12 janvier 2010, nous pas arrivé à garder combien nous gagnons qui mourit pour nous capable épurer nombre de monde qui était dans base de données nous. Jodi an n'a fait effort après 12 janvier après 25 septembre 2011, le nous fin fait deuxième congrès à Miambalin. Nous gétant gagné au moins 12 000 nouveaux moun qui inscrit dans fusion et nous commencer délivrer au cadre de membres pour le moun arrivant côté li dit mais 4. Nous lancer appel la jodi à ba ancien moun qui te gen 4 qui te gen fond rouge yo pour nous dire aujourd'hui à 4 la gen fond blanc. N'attend yo tout parce que l'eau dehors yo refusé vinn refaire 4 yo. Nous profiter anniversaire fusion pour lancer appel ça ba tout ancien membre fusion qui a utilisé 4 qui gen fond rouge là. Pour nous dire, nous renouvelons 4 là, nous avons nouveau mode 4, que nous nouveau format 4 qui émet Kounia, c'est 4 qui gagne fond blanc. Dans le Brésil, en 2005, il y a eu les mêmes problèmes au Brésil, côté que chaque élection sont tête chargée, élection coquin, bagaille, et écrasé, brisé. Et c'est à partir des urnes électroniques, l'introduction des urnes électroniques, dans le système électoral là, qui fait que ce problème ça a vienne résoudre. Ils ont fait le premier test là à 15%. C'est-à-dire, l'EMD à 15%, ils ont fait 15% électoral voté avec une électronique. Et ils ont fait 85% voté avec papier traditionnel, avec bulletin de vote. Eh bien, après que ils ont constaté fiabilité et résultat ça. Les partis politiques du Brésil intervenus auprès de Santa Clara, le tribunal électoral là pour dire prochaine élection ils veulent 100%. Et c'est comme ça qu'ils ont passé à 100% de vote électronique. Je dis à là, nous dit que pour résoudre Santa Clara les toute tracasserie qui gagne dans l'élection en dans le pays d'Haïti, il pas gagne l'autre voie que la voie de l'urne électronique.